Londres. Et les touristes pour la photographier. Les pubs où coule la bière et la joie. La musique, le théâtre, les œuvres d'art. Ce mélange de cultures. Et le plus vieux métro du monde, le Tube. La crème des villes, l'élite des capitales. 1200 ans seulement pour sortir de terre. Et une seule nuit pour finir en miettes. Quel est notre statut? La sécurité du périmètre est HS, mais on a plein de copains volants. C'est pas vrai. Dalton, il faut faire vite. Oui, chef. J'y suis. On sait contre quoi on se bat cette fois, Bagley? Si vous n'aviez pas filé, je l'aurais su. Avez-vous déjà songé à laisser les autorités gérer de telles menaces? Très drôle, Bagley. Le gouvernement préfère essayer de nous arrêter. Quelque chose d'utile. On va devoir se débrouiller tout seul. Sois prudent, Dalton. Bagley, tu détectes de l'inquiétude dans la voix de Sabine? En effet, et un ton légèrement plus aigu suggérant l'excitation, ce qui est fascinant. Bon, fermez-la et mettez-vous au boulot. Ça y est, j'y suis. Leurs profils sont lourdement chiffrés. Je n'ai rien pour les identifier. Des fantômes dans le système. C'est moins agréable pour toi que pour moi. Fais-toi discret, Dalton, ça nous rendra service. S'ils me tirent pas dessus, je leur tire pas dessus. Ça te convient ?
Ils ont des tonnes de technologies DedSec par ici. Tu crois qu'ils veulent en faire quoi? Quoi? Comment ils ont pu mettre la main dessus? Je sais pas. Mais on dirait bien que quelqu'un veut faire croire que DedSec est passé par là. Merde. Dalton, il faut que tu sois extrêmement prudent. Tu peux me dire qui sont ces mecs en noir? Rien d'identifiable. Je suppose que c'est fait exprès. Merde alors. C'est bourré d'explosifs par ici. C'est pas vrai, ces trucs... Bagley, est-ce que... Nitrogène RDX, de quoi raser tout le Parlement. Tu peux localiser un détonateur, Bagley? Pas tout à fait, mais il y a un appareil qui diffuse une tétrachie de données chiffrées à l'étage juste au-dessus de vous. Ça fera l'affaire. Je vais voir. De la propagande DedSec tout autour des bombes. Ces connards veulent faire sauter le Parlement en se faisant passer pour nous. Pas si on réussit à atteindre le détonateur. Pile dans la chambre des communes. Je sais pas qui sont ces hommes en noir, mais ils ont du culot pour installer ça au milieu du gouvernement. J'ai trouvé le détonateur. Et il est bien activé. Bagley, il va falloir m'aider. Évidemment, mais malheureusement, je suis bloqué. Merde. On n'a aucune chance de s'en tirer sans Bagley. Attends, j'ai peut-être une idée.
On s'est entraîné au piratage manuel au service secret. Tu m'étonneras toujours. Allez, dépêche-toi. Allez, Bagley, à toi de jouer. Connecté. Et les bombes viennent tout juste de s'amorcer. Ça risque de compliquer les choses. Non, mais c'est pas vrai. Tu peux les désamorcer? Évidemment, mais je risque d'activer une sécurité et vous finirez en petits morceaux. Je vous préviens. Attends-toi à ce que ça attire l'attention de ton côté, Dalton. Ça, j'y crois bien. On a de la compagnie à l'arrière. Merde. Dalton, ça commence à chauffer au QG. Combien de temps ça va prendre, Bagley? Cela dépend du nombre de fois que vous allez m'interrompre. Ok, tout le monde. On met les masques, on sort les armes. Ça va devenir tendu. Ils sont sur moi, je vais essayer de les retenir. Allez, montre-toi! Où que tu sois! Ça avance, Bagley! Disons que je suis à la fois impressionné et exaspéré par le degré de sophistication de leur système anti-intrusion. J'avance! Bagley, dis-moi que tu y es presque. J'ai passé la sécurité. Maintenant, je cherche la séquence de détonation en pataugeant dans des téraoctets de code en trompe-l'œil. Fox Fabric! C'est de la pure folie. Oh, oh. Je l'ai douté. Oh. J'ai besoin de votre enveloppe physique et vite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois emplacements à gauche. L'un d'eux est le récepteur. Vous devez retirer le fil du contrôleur. Non, mais tu te fous de moi. Je ne me fous de personne. Retirez le fil. Si jamais ce truc explose... Bombe désamorcée. Eh ben voilà, c'était pas si dur. Bagley, espèce de salaud. J'ai failli faire une crise cardiaque à cause de toi. C'est quoi tout ce que je vois là? Il semblerait que le Parlement ne soit pas la seule cible. D'autres bombes viennent d'être activées. Affiche-moi ça, Bugs. Bordel, on doit tous les avertir. Il faut évacuer tous les bâtiments. Il y en a partout dans le monde. On n'a pas le temps. Ma sœur est à la conférence de la TOAN. On doit faire quelque chose. Je détecte un transmetteur sur le toit qui envoie un signal aux autres sites piégés. Si vous pouviez l'atteindre... Tu pourrais tout arrêter. Sabine ? Merde ! Dalton, on nous attaque ! Vite, sur le toit ! Sabine, qu'est-ce qui se passe? On nous attaque. C'est un vrai bain de sang. Le protocole exige qu'on efface tout, y compris Bagley. Mais j'ai besoin de lui pour l'émetteur. Je sais. Mais s'ils mettent la main dessus, ils auront accès à tout. Nom, lieu, opération. Ok, on va le faire à l'ancienne alors. Efface-le. Oui, effacez-moi. Sabine, fais vite et barre-toi de là. Merde. Ok. J'en ai fini avec Bagley. Te voilà seul. Dalton, si ça tourne mal... Tout ira bien. On se retrouve au point de rendez-vous. Promis.
Bonne chance. Aider lors d'une mission capitale. Quelle mission? Tuer des milliers de... Exactement. Sauver le monde. Les Londoniens sont familiers des tragédies. La destruction est toujours le remède. Zero Day débute. Maintenant. Dévaster trois sites londoniens. Les autorités demandent aux habitants de rester chez eux tant que la situation n'est pas stabilisée. Nous n'avons pas pour l'heure de bilan officiel, mais... ...de nombreux londoniens sur les trois sites touchés par ces attaques, en soutien aux familles des victimes, dans un élan de grande solidarité. Toute la ville n'a dorénavant qu'un seul objectif. Le Premier ministre a confié à Nigel Cass, PDG de la société militaire privée Albion, la sécurisation de Londres. Cass a promis une traque sans merci contre NetSec. Le groupe terroriste face à la démonstration de France, Albion a déployé un système ultra sophistiqué d'intelligence artificielle et de drones autonomes pour capturer les derniers membres de NetSec. Un avertissement à tous les insurgés potentiels. La société anglaise affiche des bénéfices records grâce à une efficacité accrue en production et en distribution. Et cela grâce aux technologies développées initialement à des fins sécuritaires. Londoniens. Et le taux de criminalité est en chute libre. Paris illégaux, trafic de drogue et prostitution sont en berne suite au procès des responsables des quatre principaux syndicats du crime. Il sera bientôt possible de se promener dans les rues de Castellet. Grâce à la prolongation sine die du mandat d'Albion par le gouvernement, la vie reprend enfin son cours normal. Couvre-feu et restrictions de déplacement sont dorénavant levées. Les émeutes de Trafalgar Square ont été grandement exagérées. Certainement par des fake news propagées sur les réseaux sociaux par des étrangers. Albion tient les quelques perturbateurs. Sur la circulation de fake news, les théories conspirationnistes des sombres recoins d'Internet, prétendant que l'organisation d'EdSec est accusée à tort pour les attentats, sont fermement récusées. Nos reporters n'ont quant à eux trouvé aucun londonien prêt à appuyer ces théories devant le capitaine. Les faits ne laissent absolument aucun doute. Thank you.
J'ai besoin de réunir une équipe. Je peux pas rebooter DedSec toute seule. Allez, piratons le site iOS de Londres pour voir qui est disponible. Ici Claire Waters. Et cette semaine, dans les flibustiers, nous parlons de DedSec, le groupe activiste soupçonné de terrorisme. Un certain Colin nous appelle. Colin, t'en penses quoi ? Moi, je dis depuis des années qu'on aurait dû arrêter DedSec pour les mettre en prison. Ben, maintenant, je pense qu'on devrait plutôt les fusiller. Tu ne trouves pas que c'est un peu facile de les désigner comme coupables sans même avoir une preuve ? Mais regarde la TOAN ! Regarde notre ville ! Il te faut quoi de plus comme preuve ? Eh bien, Colin, je pense qu'il faut songer à leurs actions non violentes. Albion a envoyé plus de civils à l'hôpital au cours de ces derniers mois que DedSec depuis sa création. Ça sent le coup monter. J'ai maintenant Emily en ligne. Emily, quel est ton avis ? Claire, t'as tout à fait raison. Le gouvernement fait porter le chapeau à DedSec pour faire semblant de maîtriser la situation. À tous les coups, ils ont aucune piste sur ceux qui ont commis les attentats, mais naturellement, ça passe mal aux infos. DedSec est un caillou dans leurs chaussures. C'est les coupables parfaits. Angie, à ton tour. Que penses-tu de tout ça ? À mon avis, DedSec a enfin montré son vrai visage. C'est terrifiant d'imaginer que des gens aussi dangereux étaient là, tout près, pendant toutes ces années. On avait des terroristes parmi nous. Du coup, DedSec te fait plus peur que les gangs londoniens, comme le clan Kelly, par exemple. Le clan Kelly, à la limite, il brûle ton magasin. Ou alors il te tue. Mais jamais il tenterait de faire sauter le Parlement. Ensuite, nous parlons au roi de la crypto. Bonjour, pourquoi un pseudonyme ? Ah bah obligé. On va pas les aider à nous retrouver en plus. Vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire maintenant ? Jusqu'où ils peuvent aller ? Comment ça, ils ? Le gouvernement ? Est-ce que tu veux dire que le gouvernement est responsable des attentats ? Oh, mais le gouvernement, il a pas travaillé tout seul. Ils sont tous dans le coup. Albion, les politiques, les Sœurs, Bloom, l'autre taré de Sky Larsen, jusqu'au Premier ministre. Ils veulent tous nous maintenir dans la peur, nous soumettre en contrôlant nos esprits, nous rendre totalement inutiles. Et quand on sera mort, ils vendront... Est encore pire que ce que je pensais. Ah, voilà enfin quelqu'un. Tu es donc le dernier espoir de DedSec.
Contente de te voir en vie. Si tu veux toujours soutenir la cause, DedSec a besoin de toi. Je t'envoie les coordonnées de notre dernière planque. On s'y retrouve. Ok. De vomissements et migraines. Hello, l'Angleterre. Voici le Cafardeur, l'émission qui tend un miroir au monde et se fracasse la tête dessus en signe de désespoir. Moi, c'est Andy, et à mes côtés, comme toujours, Alice. J'ai rien vu, rien entendu. Bon réflexe de survie, bravo. Allez, enfin une bonne nouvelle. D'après le gouvernement, il n'y a pas de pénurie de médicaments. Oui, apparemment, et pourtant, on avait bien entendu le contraire. Mais ce n'était que des fake news. On a tout ce qu'il faut comme médicaments. Mais ne me croyez pas sur parole. Je ne suis pas expert en fourniture médicale. Croyez notre gouvernement. Je vais lire entre les lignes et affirmer qu'il y a sans doute trop de médicaments. En fait, les médicaments coulent à flot. On est littéralement cerné par les médicaments. Rien que ce matin, j'ai voulu me verser des cornflakes. Et vous savez ce qui est tombé dans mon bol ? 10 plaquettes de corticostéroïdes immunosuppresseurs et des pastilles spermatotropiques d'œstrogènes antirétrofongico-neurodiététiques à la fraise. Pour résumer, ceux qui se plaignent d'une pénurie de médicaments sont complètement shootés au médoc. En ce qui me concerne, Andy, je ne crois pas à la pénurie de médicaments. L'autre jour, tiens, je suis allée consulter pour une fracture et on m'a répondu que c'était des douleurs menstruelles. On m'a prescrit un verre d'eau, un horoscope et hop, dehors. Ça nous rappelle l'époque où le gouvernement nous prescrivait de serrer les dents pendant les bombardements. Mon oncle s'est fait amputer d'une jambe à cause du diabète. On lui a réduit son insuline sous prétexte que son corps était plus petit maintenant. Bon, quoi qu'il en soit, ne croyez pas tout ce qu'on peut lire ou entendre sur d'éventuelles pénuries de médicaments, c'est archi faux. Du pipeau d'hôpital, du mytho pharmaceutique, des bobards d'infirmiers, des craques d'Hippocrate, des carabistous narcotiques. Je crois que vous avez compris. Alors n'écoutez pas les médias qui vous disent qu'on n'a plus de quoi se soigner. Et n'écoutez pas les étagères vides chez votre pharmacien. Elle vous ment, elle est. N'écoutez pas non plus votre médecin qui vous dit « Désolé, on est à sec, manger une carotte et des champs blancs. N'écoutez pas l'armoire à la pharmacie pleine de toiles d'araignées dans votre salle de bain. » J'ai téléchargé un patch sur ton optique pour que tu aies accès à notre système de sécurité. Il est conçu pour que je puisse pas faire entrer quelqu'un d'extérieur à DedSec. Tu devras faire la manip toi-même. C'est pas bête d'avoir fait un système comme ça. On peut faire confiance à personne, pas vrai? Croisera en bas alors. C'est ce que tu voulais. Allez, c'est parti, on y va. Sabine ? Bon, où est-ce qu'on allume la lumière ? London calling, London est en ligne. Vous écoutez les flibustiers, là où on entend tout ce qu'on n'ose pas dire. Moi,
c'est Ash. Et aujourd'hui, on va vous parler des services d'information et de réponse aux signaux, plus connus sous l'acronyme SIRS. Et pourquoi pas, après tout? Ils nous écoutent de toute façon. Alors, autant qu'ils écoutent ça. D'ailleurs, ils savent sûrement que vous êtes en train de nous écouter. Mais pas d'inquiétude, on ne dira rien de mal sur cette organisation d'espionnage sans contre-pouvoir, dont la mission est d'étouffer les dissensions et la liberté de parole. On va plutôt chercher à comprendre d'où vient sa puissance. Comme d'habitude, on ne donnera pas le nom ni la localisation de nos invités pour que les SIRS ne viennent pas les embêter. Charles est expert en surveillance. Il a aidé les médias démocratiques à émerger dans les États post-communistes. Comment expliquer le cas de l'Angleterre ? En fait, on regarde la situation par le mauvais trou de la serrure. La crise britannique vient de la concentration des données qui ont été utilisées et manipulées. En revanche... Salut à tous, vous écoutez l'Upload. Bienvenue à bord. Aujourd'hui, on parle de l'optique et de son impact sur notre mode de vie. Comme vous le savez, Bloom a annoncé l'arrivée d'une nouvelle version lors de la conférence de la TOAN. Mais avec l'attentat, tout ça est passé au second plan et on n'en a pas beaucoup entendu parler. Alors aujourd'hui, tous ensemble, on se penche sur cette technologie. Parce qu'il faut bien l'avouer, les optiques ont tout changé. Adieu les smartphones et bienvenue dans la réalité augmentée. Un tout petit implant envoie un signal au nerf optique et on peut lire ses mails, téléphoner et surfer sur le net, exactement comme si on avait un écran devant les yeux. Si c'est pas formidable, ça ? Notre téléphone tout entier tient dans un tout petit module de poche. Et c'est super léger, pas encombrant, je veux dire. Parfait ! Vicky, t'as l'air de vraiment adorer les optiques. Tu penses vraiment qu'ils ont amélioré notre quotidien ? Eh bien, c'est vrai que tout est plus facile maintenant. Tu veux appeler quelqu'un ? T'as juste à le choisir dans une liste. Et hop, tu peux lui parler direct. On peut pas faire plus simple. Et pour chercher sur Internet, c'est pareil. Avant, il fallait se mettre devant un ordinateur, avec un vrai clavier, une vraie souris et tout taper à la main. Compliqué quand même. Et le mieux, c'est pour les transports. Pour prendre le métro, avec Optique, on a juste à monter dedans. Et puis, ça remplace ton passeport aussi. T'as plus besoin de chercher où tu l'as mis à chaque fois que tu veux partir en voyage. Et ça, c'est vraiment la classe. Et enfin, le rendre gratuit pour tous comme stratégie commerciale. Aujourd'hui, l'Upload se penche sur Sky Larsen, la... Empreinte DedSec introuvable. Déclinez votre identité ou je condamne les issues, je pirate votre optique et je lis à haute voix tous les emails que vous avez envoyés à vos ex. Oh, c'est bon. J'ai le droit d'être ici. Le mot de passe, c'est... Sabine qui m'envoie. Sabine est vivante. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis Bagley, l'IA ultra avancée et pas du tout volée, dont le rôle est d'assister DedSec, et je constate que j'ai été hors service pendant plusieurs mois. Bref, si vous me connectiez au réseau DedSec, que je devienne puissant au-delà de votre imagination, pardon, que je rattrape ce que j'ai manqué.
voilà, je suis reconnecté au réseau, je télécharge notre base de données, les actus archivés. Oh non, le groupe terroriste d'EdSec responsable des attentats mortels à Londres. Dalton Wolf est mort. Il suffit que je vous laisse une minute et vous fichez tout en l'air. Ça ressemble à un complot, Bagley. Qui est derrière les attentats, alors? Il y a un trou dans ma mémoire après que Dalton... Enfin, soyons honnêtes, après que j'ai désamorcé la bombe au Parlement. Je manque d'infos sur ce qu'il s'est passé après ma désactivation, mais d'après ce que je peux en déduire, un groupe de hackers inconnus répondant au nom mystérieux de Zero Day était de la partie. Je pense que Zero Day a organisé les attaques et fait porter le chapeau à DedSec. Venez à mon terminal. Sabine veut passer un appel vidéo. Sabine Brandt est connectée. Je vous suggère fortement de l'écouter attentivement. Te voilà, je suis trop contente de te voir. Bagley, bon sang que ça fait du bien d'entendre ta petite voix. Ta mémoire est intacte? Loin de là. Le dernier enregistrement est l'assaut de notre QG. Et comme seule piste, un groupe appelé Zero Day. Ça vous dit quelque chose? Non. Mais le QG a été attaqué par des hommes en noir. Les mêmes que ceux du Parlement. Ils bossent peut-être ensemble. On n'avait aucune chance. Ils ont tiré sur tout le monde. Merde, c'est dingue! T'as eu de la chance de t'en tirer! J'ai réussi à fuir par les égouts jusqu'à Camden. Un contact m'a fait sortir de la ville, et depuis, je me planque dans le nord. Sage décision. Votre profil est indiqué comme cible prioritaire dans le système de surveillance de la ville. Même une reconnaissance partielle vous mettrait en danger. Ouais. À ce sujet, je suppose que là, si je décide de vous rejoindre, je serai moi aussi dans le viseur, non? Sabine, tu comprends bien que c'est chaud. Écoute, si quelqu'un s'y connaît en risque, c'est bien moi. J'ai perdu tout ce que j'ai, et tout le monde. Mais voilà la situation. Londres est dans une spirale de mort. Et si DedSec ne sauve pas la ville, crois-moi, personne ne peut. Londres a besoin d'une résistance. Et elle commence avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? De toute façon, je suis là. Autant continuer. Allez, c'est parti. Excellent. Nouvel utilisateur enregistré. Bienvenue chez DedSec. Bien. Ce serait irresponsable de notre part de vous relâcher cul nu dans la nature sauvage. Vous trouverez dans la planque quelques équipements indispensables à votre panoplie de DedSec.
Pour vous préserver des systèmes de reconnaissance faciale, nous avons une solution high-tech. Cela s'appelle un masque. Et tant que nous y sommes, pourquoi ne pas rafraîchir votre garde-robe? Je veux dire, regardez-vous sérieusement. Ils sont très bien, tes nouveaux jouets, mais c'est important de connaître les bases aussi. Tu dois apprendre à mettre des claques et aussi à en encaisser. Si t'arrives devant Albion avec un flingue, ils hésiteront pas à te descendre. Les dégâts collatéraux, il vaut mieux éviter. Chez DedSec, on se sert des armes qu'en dernier recours. Vous connaissez déjà Cody Robinson? C'est la propriétaire du pub et un vieux contact de DedSec. Championne de boxe amateur, qui plus est. Allez sur le ring d'entraînement. Elle vous apprendra quoi faire quand quelqu'un vous balance un coup de poing. Je descends tout de suite. Le temps de m'échauffer. On va commencer avec des coups de base. Frappe-moi, sois pas timide. Tu dois essayer de déjouer ma garde. Allez, trouve le point faible. Tu tiens le truc. Allez, on utilise ses jambes. Il faut créer de la distance. Ouais, bien joué. J'aurais pas fait mieux. Oh.
Vous avez votre barda? Vous avez compris comment ne pas vous faire boxer le nez ou vous faire abattre lors d'une fusillade? Parfait. Je réfléchis à comment nous pourrions trouver Zero Day et leur pourrir leur journée, n'est-ce pas? Mais j'ai besoin de quelqu'un avec de vraies jambes pour faire ce travail. J'espère que vous êtes d'attaque. On a un peu de service après-vente à faire si on veut se débarrasser de notre image de groupuscule sanguinaire. C'est pas à moi de te dire comment te comporter, mais n'oublie pas que tu représentes DeadSec maintenant. Bon, on commence par quelle organisation maléfique? Te fais pas d'illusions, Londres est sous occupation. Des mercenaires armés patrouillent dans nos rues, soi-disant pour protéger la population, mais surtout pour faire régner la peur. Albion, tu veux dire? Ouais, c'est clairement des gros fachos. Et ils ont convaincu les gens qu'ils étaient leurs sauveurs en plus. Donc, on doit raviver la flamme de la résistance chez les habitants de Londres, en leur montrant qu'Albion, c'est pas la solution, mais bien le problème. Pour cela, nous aurons besoin d'informations. Je vous envoie les coordonnées de deux lieux sur votre optique. Merci, Bagley. J'ai identifié deux opportunités pour nous. Petit 1, entraver la propagande d'Albion. Rappeler à la population que c'est pas Albion qui décide de tout. Petit 2, si on veut leur mettre des bâtons dans les roues, on a besoin d'infos sur leurs opérations. Ça te va? Tu rigoles? Sabine, on va la réveiller, cette ville. Excellent. Il est grand temps de rameuter le peuple de Londres. C'est juste le nom d'une fille qui vous dira que tout va bien. Bon. C'est évident, ces histoires de pénurie font partie de notre vie quotidienne, de notre société et de notre culture, au même titre que les matchs de foot, les punks et la pluie. Albion a établi une base d'opération à la Cour royale de justice. Putain, Albion contrôle même les tribunaux? Allez en prison, ne passez pas par la case départ. Exactement.
Mais ça veut aussi dire qu'on peut sûrement y trouver comment Albion traque les dissidents. Qui et pourquoi? Si on veut contrecarrer leur plan, il nous faut ces infos. Bagley, fais-moi le topo. Une liste de profils désignés par Albion comme étant des cibles prioritaires et autres menaces contre l'ordre public. Vous voyez, un journaliste. Et là, une personne qui tient un refuge pour SDF. Juste ciel, protégez vos enfants. Oh putain! Ils sont tous suspectés de semer la rébellion ou d'y être favorables. Albion arrête de façon systématique tous ceux qui risquent de s'insurger. Dommage pour eux. Parce que cette liste va nous aider à trouver de nouvelles recrues. Bien joué. Allez, on va ruiner les efforts de propagande d'Albion et redonner un peu d'espoir aux gens. Thank you.
trace d'un individu suspect à votre position. Soutien central, la cible a abandonné le véhicule. On leur colle au masque. À vous. C'est à vous de jouer. Vous êtes prêts? J'ai bien cru que tu m'avais oublié. Ah!
avancer. Envoyez-nous plus de patrouilles.
tenter de les prôner. Je vais essayer de lui rentrer dedans. Centrale, on lui colle au masque. À vous. Prêt à intercepter le véhicule, à vous. À tous les agents disponibles, convergez sur ma position. Centrale, j'ai perdu la cible. Des drones ont été déployés pour appréhender l'individu suspect. La cible vient de traverser le barrage. Neutralisez le véhicule, maintenant! On fonce dans le véhicule, à vous! Véhicule en est danger. L'individu a quitté son véhicule. Pilote,
Pilotage automatique activé. Pilotage automatique désactivé. Quelqu'un a la cible en visuel ? Voici, on rentre au QG, à vous. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. C'est ça la normalité maintenant ? Voir les couleurs d'Albion partout ? En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de nous faire gober. Il y aura beaucoup moins d'Albion partout après notre passage. Il est temps de laver Camden de toutes ses horreurs. Ouais, ça marche. Fouillez la zone. Trouvez le hacker. En prenant le contrôle de cette plateforme à ciseaux, vous gagnerez l'accès au toit.
Yes, bien joué. Ça va attirer l'attention des habitants. Ils sauront qu'on est là pour tenir tête à Albion. Et ça leur donnera peut-être envie de faire pareil. Au minimum, ça ne gâchera plus le paysage. On fait quoi ? Notre travail dans la zone porte déjà ses fruits. Dans cette liste, il y avait un journaliste de Camden qui enquête sur Albion. On l'a contacté et il a des informations qui pourraient nous aider. Je crois que ce serait utile de le rencontrer. Envoie-moi les coordonnées. J'ai entendu dire que t'as besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est vous le groupe qui s'attaque à Albion ? J'arrive pas à y croire. Je me sentais un peu tout seul jusque-là. Bon, moi, je prends juste des articles, mais vous, là, vas-y, c'est de la dissidence totale. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je vais pas rester planté à les regarder détruire la ville. Faut dégager Albion. Mais ils partiront que si on s'oppose à eux. Allez, t'as quoi comme info ? J'ai failli me faire choper pour trouver ça. Les données opérationnelles d'Albion pour toute la ville. Trajet de convoi, cibles à surveiller, infrastructures, tout est là. Vous saurez sûrement quoi en faire. C'est la vérité vraie. Tiens, juste un exemple. Albion a fermé la gare du King's Cross au public, tu vois ? Mais ce que les gens, ils savent pas, c'est que ça leur sert de centre logistique. Matériel, troupes, etc. Il y a des tonnes de trucs qui transitent là-bas. Vous voulez booster la population bien comme il faut ? Attaquez cet endroit. Mettez-le hors circuit. Et comme ça, tu portes un gros coup aux opérations d'Albion à Camden. Et partout ailleurs. Alors ça marche. Les plans opérationnels d'Albion, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il va falloir qu'on étudie ça de près. Alors, comment on fait pour mettre tout King's Cross en mode offline ? Albion a un... Ça va pas être facile d'accéder à ce générateur. Ils ont renforcé les protections depuis la dernière fois que je l'ai vu. Je fais quoi ? Mes drones journalistes sont toujours là-dedans. Il va encore marcher ? Tu pourras en prendre un ? Tu piloteras peut-être même mieux que moi.
bien. Créer une surtension dans un générateur hybride, ce n'est pas comme de beurrer une crêpe. Il nous faudra des instructions précises. On va creuser un peu tout ça. Matza la vache! Fuck, ça a l'air hyper compliqué. Mais mon petit drone a une bonne caméra. Bagley, ça tira une photo? Oui, tout à fait. D'après ce que je vois, il y a un code dérogatoire qui nous permettra d'accéder au système du générateur. Voilà, utilisez le code sur le générateur et je pourrai provoquer une surtension. Ça devrait suffire à mettre King's Cross hors service, et tous les chemins de fer aussi. C'est parti. Nous a fourni des tonnes d'informations, une vraie mine d'or. Convoi d'Albion, indique, matériel, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'il nous faut pour embraser le peuple de Londres. Comme on a fait à Camden. Faire capoter les opérations d'Albion et donner aux gens une raison de se soulever, quartier par quartier. Plus on fera ça, plus on ralliera des partisans à notre cause. On va montrer aux Londoniens que DedSec est là pour eux. Je veux dire que c'était une belle impro. Je savais que DedSec n'était pas comme le dit Albion. Et vous l'avez prouvé à tout Camden. Merci. Merci. Maintenant que t'as montré à ce quartier ce que fait DedSec, pas mal de gens vont vouloir rejoindre le mouvement. Des gens qui cherchaient un moyen de lutter. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui va bientôt te contacter à ce sujet. Il va te plaire son enthousiasme, j'en suis sûr. On accepte tout le monde, pas de soucis. On sera jamais trop nombreux pour sauver Londres. Bienvenue chez DedSec. Chaque jour un peu plus balèze et hardcore. Fantastique. J'ai enfin trouvé ma place. Ah ouais. Eh bien, je n'en reviens pas que vous soyez toujours en vie. J'avais parié le contraire avec Sabine. Donc, vos magouilles de la Résistance nous ouvrent une toute nouvelle source d'informations. Je viens de mettre la main, au sens figuré, bien sûr, sur une pépite du ministère des Affaires Citoyennes. Il se passe quoi ? Les
services d'intervention et de renseignement des signaux, ou SIRS, ont développé une technologie de surveillance appelée reconstitution en RA. Cette technologie ultra avancée constitue une violation pure et simple du droit à la vie privée, mais elle pourrait nous être très utile pour trouver Zero Day. Pilotage automatique activé. Pilotage automatique désactivé. J'y suis. En théorie, une reconstitution en RA devrait me permettre de rejouer les événements passés à partir de multiples données de surveillance, accéder à un relais de données que je prélève toutes les métadonnées de la zone. Voilà, maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. Voilà, maintenant, voyons comment fonctionne ce génial petit joujou. Réparation des données RA CityOS en cours. C'est dingue! On nous surveille de partout, et personne n'est au courant de rien du tout. Vous avez raison, il nous faut absolument cette géniale invention pour enquêter sur Zero Day. Mince, je n'arrive pas à cloner ce truc sur nos serveurs. Ok, accédez au réseau ici. On voit à quel endroit nous pourrions en voler un. CityOS localisé. Les sœurs ont déployé cette technologie à leur QG, et je leur ai piqué le manuel d'installation du système, à leur profil bas. Vous ne pourrez pas leur voler leurs jouets s'ils vous jettent dans un goulag.
Alors on va piquer le truc de reconstruction en ERA. Dis-moi ce que je dois faire. Le programme est hébergé par un serveur situé sur le toit du QG des Sœurs. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le récupérer, puis de le transporter dans des zones densément peuplées, que je puisse le recalibrer pour le réseau d'EdSec et cloner ma propre version. Et tu veux que je rapporte ce petit joujou sur mon dos? Il doit peser au moins 500 kilos, le machin. On doit trouver quelqu'un qui a accès à un drone de chantier pour trimballer ce truc dans les airs. C'est l'occasion idéale de recruter un gros bras. On va avoir besoin d'un drone de chantier, en gros. Où on va trouver ça? Allez, on enfile sa casquette de réflexion intense. Qui à Londres pourrait bien avoir accès à un drone de chantier? Pourquoi pas des ouvriers sur un chantier? Sans blague, Bagley. Merci. Ce n'était pas si difficile, si? Il y a un chantier de construction en cours pas très loin. Sans trop m'avancer, je dirais que vous devriez y trouver des ouvriers à recruter. Je vous envoie les coordonnées. Le lendemain. Ne laissez pas votre sommeil vous tourmenter. La solution pour... Regardez-moi cette bête de drone. Enfin, cette personne a l'air compétente aussi. Pardon, désolé. Métier, ok. Drone, ok. On tient peut-être le bon numéro. Oh, Andrew.
Hélicoptère dégagé. Cette personne n'a pas accès à un drone de chantier. Attaque de la cible ennemie.